Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite présentation d'album. C'est un album de Noël que j'ai fait avec des enveloppes. Donc, il se présente comme ça. Je lui ai fait une petite boîte. Voilà. Donc, il est dans sa petite boîte. C'est un petit coffret. Hop, voilà, on le tire. Donc, la boîte est coordonnée, bien sûr, à l'album. Hein. Mais je n'ai pas fait de déco dessus. Je mettrai juste une petite étiquette peut-être, mais c'est même pas sûr. Donc il se présente comme ça et on le sort. Voilà, donc là vous voyez la petite boîte, hop, toute simple. Et donc je vous présente l'album de Noël. Voilà, comme ça. Donc dessus, je me suis servi des... Ce sont les papiers de chez Action. Là, ce sont les die cuts du paper block là, de Noël. Voilà. Et c'est un ruban que j'avais acheté l'année dernière. Donc, je ne sais plus si c'était Lidl ou si c'était Action. Mais bon, voilà. Il vient de chez Lidl. Donc, j'ai fait un petit bijou, mais vraiment petit, où j'ai mis un petit pompon qui fait, on dirait, un flocon de neige. Voilà. Comme ça. Ici, j'ai mis une petite perle métallique. Et j'ai fait aussi avec tous les rubans que je me suis servi dans l'album. J'ai mis, voilà, tous les rubans attachés dessus. Voilà. Donc, pour s'ouvrir, je vous montre d'abord la tranche. Donc, la tranche ici avec le bijou d'album. Le petit nœud bah, qui sert à fermer l'album. Et derrière, donc tout simplement, les mêmes papiers avec de la dentelle et une petite étiquette avec mon pseudo. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, hop, on ouvre le ruban. Ou pas, vous pouvez le faire glisser aussi. Je vais le mettre face à vous quand même. Et il s'ouvre comme ça. Donc, il a 5 pages. Et ce sont que des enveloppes. Donc, vous verrez, je ne l'ai pas trop chargé en die cuts parce que les papiers sont assez chargés et il n'y avait pas besoin de plus. Hein. Donc là, j'ai mis le petit renne en bas avec ben, Christmas. Et si vous voulez mettre des photos, hop, vous pouvez le glisser en dessous. Il n'y a pas de souci. Donc, première page, comme ça. Donc, sur chaque page, vous voyez, il y a un petit ruban. Et en fait, j'ai mis juste une petite carte comme ça. Voilà. Pour pouvoir rajouter encore des photos. Voilà. Donc, celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a à chaque fois une carte où vous pouvez mettre encore 4 photos. Donc, il a quand même beaucoup de photos. Je crois qu'on peut en mettre une 50aine si je me souviens bien. Il faudrait que je recompte. Donc, bon, ben, bien sûr, hein, ruban. Hein, ruban. Voilà, c'est un petit peu ma marque. Voilà. On le referme comme ça. Et on va voir de l'autre côté. De l'autre côté, donc, on retrouve ici à l'intérieur de l'enveloppe la petite carte. Comme ça, bon, bah pareil, hein, qui s'ouvre à l'intérieur. Hein, où vous pouvez mettre toujours 4 photos. Je ne sais pas si j'ai encore le bloc. Il doit m'en rester pour vous montrer lequel bloc c'est. Je regarde. Je pense que j'ai encore. Hop, oui. Si j'arrive à le sortir. Ouais. Voilà, donc c'est cette année, il me semble, et c'est celui-là. Voilà, de chez Action. Je le range de suite, comme ça, c'est fait. Ensuite, sur la troisième page, donc là, j'ai fait un petit croisement de ruban avec une petite... un petit die cut écriture. Et à l'intérieur, donc toujours, on trouve
la petite carte. Voilà, avec le petit cheval comme ça. Ces papiers sont vraiment très 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 beaux. Donc, on l'ouvre comme ça. On a encore une petite carte ici. Voilà, celle-ci, je l'ai mise dans ce sens. Et toujours pareil, bon, elle s'ouvre encore comme ça. Hein. Voilà. Il n'est pas dans son bon emplacement celui-là. Voilà, celui-là, voilà. Et là, donc j'ai refait aussi un petit peu les croisements de ruban. Ensuite, la quatrième page. Donc à l'intérieur, toujours pareil, on a. Non, c'est pas dans celle-là. C'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Bah, c'est lui que j'ai pas mis encore au bon endroit. Il ne veut pas rentrer. Voilà. Hop. Et là, on a donc cette petite carte comme ça. Qui s'ouvre hein, toujours. Hein, il y a quatre places photo à chaque fois. Et là, ça nous donne ceci. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5e page. Donc celle-ci, c'est une double page. Donc sur ce côté, on retrouve toujours la petite carte comme ça, avec marqué Joy en haut, qui s'ouvre pareil. Hein. Voilà. Pardon, les superpositions de papier, des fois ça accroche après. On tourne là. Ici, donc on a le petit ruban et elle s'ouvre comme ça. Et ici, on retrouve donc une carte encore. Voilà, pareil, hein, toujours qui s'ouvre. C'est un petit livret en fait. Voilà. Et de ce côté, on retrouve le petit patin à glace. Et sur la dernière page, donc j'ai mis le petit sapin en bas et la petite banderole en haut. Voilà. Pour le fermer, rien de plus simple. On le met comme ça. Hop. On fait le nœud. On essaye de mettre le côté brillant hein, puisqu'il va être apparent le nœud. Voilà. Comme ça. Ah, j'ai la breloque qui est tombée. Je vais la remettre, c'est pas grave. Non, je la remettrai avec ma pince. Ensuite, eh ben, on prend la boîte. Hein, et puis on va le mettre dedans. Voilà, votre album est rangé, il est protégé. Et vous avez de quoi mettre, je pense, une cinquantaine de photos. Je n'ai pas vraiment recompté, mais voilà. Voilà, cette petite présentation est terminée. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !